Alerte, 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 urgent, urgent, urgent. Frères et sœurs, nous ne cesserons d'être toujours vos porte-paroles. Nous ne cesserons jamais d'être toujours aux aguets et de vous informer au moment opportun. Frères et sœurs, chers amis, l'heure est grave. Il y a de cela une semaine, j'ai fait une vidéo pour vous alerter qu'il y a un coup d'État qui est en cours au Burkina Faso. Eh bien, la situation, les carreaux sont cuits. Et quand nous disons toujours de rester aux aguets, ce n'est pas faux. Parce que la vérité, c'est que nous sommes dans le système et vous êtes dans le système. Parce que c'est nous qui faisons le système. Mais avant de continuer, je vous demande de partager, de mettre des likes, de mettre des j'aime et de cœur la vidéo. Le parquet militaire vient de confirmer qu'ils ont arrêté des personnes qui ont voulu enlever, qui ont voulu attaquer le domicile de Ibrahim Traoré. Oui, des individus étaient déjà en train de mettre le plan commun, comment dirais-je, à l'œuvre, en œuvre, afin de pouvoir attaquer le domicile et de certains membres du gouvernement du président capitaine Ibrahim Traoré. Chers Burkinabés, chers Africains, chers Panafricains, l'heure est grave. Le parquet militaire vient de dérouler, vient de sortir un communiqué où tout le déroulé est expliqué. On va ici vous lire le communiqué important. C'est parti. Communiqué du parquet près du tribunal militaire de Ouagadougou. Courant fin 2023, il était dénoncé au parquet militaire des faits selon lesquels des militaires et anciens militaires en intelligence procéderaient à l'identification des points sensibles et des domiciles dans celui du président de transition et de certaines autorités civiles et militaires en vue de déstabiliser la conduite de la transition. Faisant suite à cette dénonciation, le parquet militaire instruisait la section de recherche de la gendarmerie de Ouagadougou a l'effet d'ouvrir une enquête circonstanciée et d'interpeller les présumés auteurs et complices. À ce jour, trois militaires en cause ont été interpellés et présentés à un juge d'instruction qui les a mis en examen est placé en détention provisoire pour les faits de complot militaire, violation des consignes, complot contre la sûreté de l'État, association de malfaiteurs et mise en danger de la vie d'autrui. Il s'agit en l'occurrence de l'adjudant Kabore Wendima Legué, du sergent-chef Ramde Brice Ismaël et l'ex-caporal Da Sami qui ont reconnu sans embâche les faits. Les investigations se poursuivent en vue d'établir toutes les implications éventuelles et d'en tirer toutes les conséquences des droits. Le parquet militaire invite toute personne disposant d'éléments susceptibles de faire évoluer cette enquête, de bien vouloir le saisir directement à cet effet ou les mettre à la disposition de la section de recherche de la gendarmerie de Ouagadougou. Fait à Ouagadougou le 8 septembre 2023 par le procureur militaire magistrat commandant Alphonse Zorma. Frères et sœurs, voici le communiqué qui est là. Le fin août, les autorités compétentes burkinabè vous alertaient tout le monde pour dire qu'il y a des puissances, il y a une puissance, il y a des puissances étrangères, il y a des personnes qui avaient déjà infiltré le Burkina Faso. Et vous savez, les impérialistes et ceux qui en veulent au Burkina Faso, ils vont travailler en intelligence avec des burkinabès qui veulent déstabiliser le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, qui veulent déstabiliser le Burkina Faso. Et donc, ils ont contacté des soldats et des anciens soldats afin de pouvoir attaquer l'origine du président Ibrahim Traoré. Ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé
à cibler les maisons. Ils ont commencé à regarder où Ibrahim Traoré dort. Ils ont commencé à cibler les résidences de certaines autorités du régime du président capitaine Ibrahim Traoré. Ils ont été arrêtés. Ce qui est bon, c'est que toutes les personnes arrêtées ont été mises devant les faits et elles ont reconnu les faits. Et donc, il faut bien les cuisiner. Ce qui est bon, ces personnes vont dévoiler qui est derrière cette tentative de déstabilisation. Peuple du Burkina, c'est à travers votre dénonciation que ces personnes ont été arrêtées. Puisque c'est le communiqué antérieur qui a été fait à la fin du mois d'août qui a fait en sorte que les personnes là ont été dénoncées. On va vous lire le communiqué qui était le 31 août. Je vous le communiqué. Le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité informe l'opinion que depuis un certain temps, des sources concordantes font état de la présence sur le territoire national d'individus au dessein malveillant, dont certains de nationalité étrangère. Ces sinistres individus en intelligence avec des complices nationaux ont pour objectif de déstabiliser la transition en cours et de semer le chaos au Burkina Faso. Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et de la sécurité met en garde les auteurs de ce projet funeste et leurs soutiens nationaux. Il assure l'opinion nationale que des dispositions sont prises pour traiter cette menace avec la plus grande fermeté. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité invite les populations des villes et campagnes à une vigilance accrue et à dénoncer toute personne ayant un comportement suspect au service de sécurité à travers les numéros suivants, le 1010, le 16 ou le 17. Par ailleurs, c'est le lieu de rappeler que toute personne qui hébergerait des individus habités par de tels desseins, sans les dénoncer, se rendra coupable de complicité et sera traité conformément aux dispositions y relatives. Émile Zerbo, chevalier de l'ordre du mérite burkinabé. Fier Ivoirien et burkinabé, cher burkinabé, les numéros de téléphone pour dénoncer ces malfrats qui ont aujourd'hui dans leur rêve le plus inimaginable, surréaliste, c'est qui est de déstabiliser le Burkina Faso, il faut appeler les 1010, les 16 et les 17. C'est à travers ça que ces personnes-là ont été dénoncées. Et ils ont mis les grappins sur eux. À tel moment où je vous parle là, ils sont aujourd'hui en prison et ils ont reconnu les faits. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler. Parce que, vous savez tellement là, la vie du président capitaine Ibrahim Traoré est en danger. Parce que Ibrahim Traoré est dans une nouvelle dynamique, une nouvelle donne. Le cap que le capitaine Traoré a pris avec le Burkina Faso ne plaît pas aux ennemis du Burkina. Mais vous le savez. C'est la même chose avec le Mali. Nous allons ici adresser nos condoléances au peuple malien aujourd'hui qui est en deuil. Parce que ces mêmes barbares, ces mêmes voyous, ces mêmes criminels sont allés, ils ont attaqué un bateau, ils ont tué des dizaines de passagers à l'intérieur. Ces criminels, ces lâches, ces barbares, ces margouillas, ces rats, ces immondes, ils ont massacré des civils au Burkina Faso. Et ils attaquent à tout va parce qu'ils sont acculés. Ils n'ont plus de point de sortie. Au Burkina, ils sont traqués partout. Les vecteurs aériens font leur travail. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser la dynamique. Et vous savez, le serpent pour le tuer, c'est par la tête. Il faut couper la tête. Alors qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent attaquer le capitaine Ibrahim Traoré, le neutraliser et attaquer les membres du gouvernement. C'est maintenant et jamais, plus que jamais, que le peuple du Burkina doit se rendre compte que rien n'est encore acquis, rien n'est encore gagné.
Parce que souvent, certaines personnes disent non, on passe du choc au capital Ibrahim Traoré. Non, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. C'est maintenant là que vous devez resserrer les rangs parce que vous avez relâché un petit peu la vigilance. Ne relâchez pas la vigilance. Parce qu'en ce moment maintenant, que les impérialistes, les ennemis du Burkina veulent passer à l'action. Vous avez vu. Alors, tous les patriotes burkinabés, partout où vous êtes, vous n'avez pas le droit d'échouer et de laisser le boulevard aux déstabilisateurs. Vous n'avez pas le droit à l'échec et de laisser la porte aux déstabilisateurs afin de pouvoir ramener le Burkina en arrière. C'est le moment ici de continuer à apporter votre soutien et à dénoncer tous ceux qui veulent déstabiliser le Burkina en appelant le 16 et le 17. Nous sommes contents aujourd'hui parce que vous avez fait le travail. Vous avez appelé, vous avez dénoncé ces malfrats, ces bandits, ces criminels, ces assoiffés de sang qui veulent déstabiliser le Burkina Faso. Vous avez dénoncé, ils ont été arrêtés. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo pour annoncer à tout le peuple, au peuple du Burkina Faso, au peuple du Niger, au peuple du Mali, au peuple du Sénégal, au peuple de la Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique, qu'aujourd'hui, les ennemis qui ont voulu attaquer le capitaine Ibrahim Traoré, c'est toi qui été arrêté. Effectivement, ils veulent faire un coup d'état au Burkina Faso. Le peuple africain doit être debout pour faire barrage aux déstabilisateurs. Le peuple africain doit être debout pour mettre hors d'état de nuire ces criminels qui veulent mettre encore ce pays-là en retard. Alors qu'ils sont dans une bonne donne. Ils sont dans une bonne marche. La marche de la renaissance, la marche de l'indépendance et la marche de la souveraineté. Partagez cette vidéo partout. Partagez cette vidéo partout pour annoncer que les malfrats, les ennemis qui ont voulu tuer Ibrahim Traoré ont été arrêtés. Ils sont aujourd'hui en prison. Il faut qu'ils parlent. Il faut le montrer à la télévision. Le monde entier doit voir leur visage. C'est important. Partagez, invitez au maximum cette vidéo.